Salut chers élèves, cette fois encore, on va étudier l'une des fables du fabuliste Jean de La Fontaine. Cette fable s'intitule « Le chêne et le roseau ». On va la lire ensemble. Le chêne un jour dit au roseau, « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. » Un rotelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant, comment front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilant, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri des feuillages dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. On passe à l'autre côté. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissiez le plus souvent sur les humides bords du royaume du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit la robuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, je romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendant la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eut porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts, en fait c'est bien qu'il déracine celui qui a la tête au ciel et tes voisines et dont les pieds touchent à l'empire des morts. Alors voilà, chers enfants, la fable d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Première vue, la fable est longue. D'accord? La fable, déjà, au niveau de la forme, elle est longue. Au niveau du titre, ici, on a affaire à deux végétaux, le chêne et le roseau. D'accord? On n'a plus les animaux, maintenant, le fabuliste met en scène deux végétaux. Troisième remarque, on remarque que dès le début, la fable commence par là, le dialogue, directement. Ici, les deux points du dialogue. Le dialogue entre le chêne et le roseau. C'est le chêne qui parle en premier, d'accord? Tout ça jusqu'ici, jusqu'à ce qu'il y a le tiré. Ici, c'est le changement de personnage. C'est le roseau qui prend là la parole, mais pas longtemps, parce qu'ici, on trouve la fin du dialogue. Alors, on constate que le chêne a beaucoup pas parlé par rapport au roseau. Et on va voir pourquoi. D'accord? Alors, pour mieux comprendre cette fable, j'ai pris des photos et quelques vidéos de la nature des régions de Tiznit pour vous mettre en bain, pour vous mettre en situation, comme on dit, de la relation naturel, chêne et roseau. Mais on n'a pas le chêne ici, en France. Je vais changer le chêne en olivier. On va voir l'olivier et le roseau, comment pousse le roseau, où est-ce qu'il pousse, ainsi de suite. D'accord? Encore. Là. Ici, nous avons l'arbre de l'olivier, à côté le roseau. Ici nous avons
perso ici, un peu voilà. Regardez bien l'épaisseur, la différence. D'accord, constatez bien cette différence. On doit aussi ici un peu l'épaisseur, voilà. Regardez bien, c'est bien saisi. Alors voilà. Regardez bien, chaque fois, à côté des arbres, il y a le roseau, la plante du roseau. Chaque arbre a ses roseaux, comme s'il était du fond. On a dit la fontaine. Regardez bien ce géant arbre. Et voilà, à chaque fois, il y a le roseau. Voilà le roseau qui se naît ici. Ces plantes-là, ces petites plantes, qui commencent à se mettre partout ici, d'accord. Le problème, le roseau, normalement, il fait pour délimiter, déterminer les frontières entre les champs. Ça, c'est une frontière. Il délimite, voilà, pour délimiter le territoire. Mais le problème, c'est lui qui, c'est une plante parasite, qu'il pousse rapidement. Il a envahi beaucoup d'espace, d'accord. Regardez, on peut la mettre seulement ici. Et il commence, et par chance on a ici un champignon, mais il n'est pas comestible ici, d'accord, comestible, il n'est pas comestible, pardon, le champignon de notre village, lorsqu'on le touche. Alors, on a dit, le roseau se plie, mais l'arbre se déracine, Je ne sais pas si je vais arriver. Voilà, il y a ici un tronc, je n'arrive pas à montrer ses racines. Il sait, voilà le pauvre ici, toute cette branche, la voilà, s'est déracinée. Là, elle est morte. Voilà. Il n'y a pas de verdure, il n'y a pas de feuilles. Il y a juste les escargots. Regardez bien. Là. À cause du vent, à cause des inondations. Alors là, il s'est rompu, s'est cassé, il s'est déraciné. Ce n'est pas comme cette plante magique. Voilà. Même s'il est chétif, il a la force de se plier. Il ne se rompt pas. Alors avant d'étudier l'explication de cette fable, on va étudier d'abord le sens, bien le lexique, le sens de quelques mots. Le chêne un jour dit au roseau, le roseau c'est une plante, comme on a vu sur les images, est une plante à seule tige, elle est chétive avec quelques feuilles, mais elle est flexible, elle est souple. Vous avez bien, c'est la parole dit, ici ça commence la parole, les guillemets, la ponctuation du dialogue. Les deux points, comme on a vu dans la grammaire, les deux points ici introduisent et annoncent la parole. On passe au discours direct. Vous avez bien le sujet d'accuser la nature. Ici les deux points, c'est pour l'explication, ce n'est pas une autre parole, non. Ici, nous avons le verbe introducteur, dit. D'accord? Un roitelet est un petit oiseau. Un petit oiseau léger. C'est un insectivore, d'accord? Qui mange les insectes et il est en France, d'accord? Et on voit l'image, ce oiseau qu'on a ici ressemble à ce roitelet. Un roitelet pour vous est un pesant. Pesant, vient du verbe peser, ça veut dire le poids. Ça veut dire quoi peser alors? C'est lourd, est un pesant fardeau. Fardeau, une charge. Si vous voulez, je vais écrire les mots. Est un pesant, ça veut dire il est comment? Il est lourd? Lourd. Fardeau, charge. Charge. Le moindre, c'est le plus petit, peu d'une chose. Le moindre vent qui d'aventure, par hasard, ça veut dire qu'il souffle par hasard,
fit rider. Rider, dans le sens ici de frémir. Ça veut dire, il fait sur l'eau, sur le lac, l'eau stagnante, on voit des petites rides comme ça. D'accord? Des petites rides. S'il y a une fraîcheur, un vent qui est doux, très doux, d'accord? On voit des petites plis, d'accord? Sur la surface de l'eau. Fait rider la face de l'eau. Vous oblige, ou bien vos forces. À baisser la tête. C'est quoi baisser la tête ici? C'est la personnification ici. Le roseau n'a pas de tête, mais tout simplement à vous courber, à s'incliner, s'arquer. D'accord? Ça veut dire lorsque le vent vient, alors le petit vent vient, qu'est-ce qu'il arrive au roseau? Il baisse la tête. Cependant, ici exprime l'opposition. Comme mon front, tout ça c'est la personnification, ça veut dire ma face. Au Caucase, pareil, Caucase c'est une chaîne montagneuse, d'accord? Des montagnes hautes, de hautes montagnes. Ça veut dire ici, nous avons pareil, c'est la comparaison au Caucase, non content. Ça veut dire le front, la cime de l'arbre n'est pas contente d'arrêter les rayons du soleil, mais brave. Regardez brave ici, ça veut dire affronte, il attaque. Il affronte l'effort de la tempête. Et l'effort ici, la force. D'accord? Et la force, la fureur du vent. La tempête qui est forte. Par rapport ici, le moindre vent. Tout vous est aquilon. Aquilon, c'est le vent qui vient du nord. C'est le vent violent qui vient du nord. Tout me semble zéphyr. Zéphyr, c'est le vent doux qui vient de l'ouest. Ici, nous avons violent. Ici, nous avons doux. Encore, si vous n'étiez à l'abri, ça veut dire les cachettes. À la cachette du feuillage. Le feuillage ici, ça veut dire, pour parler de là, de l'arbre. Donc, je couvre le voisinage. Ça veut dire ici, le voisinage, ça veut dire l'entourage. Vous n'auriez pas tant à souffrir. Ça veut dire que tu ne vas pas souffrir, avoir mal, avoir des douleurs, souffrir dans la vie. C'est quoi souffrir ici? Voilà la souffrance. Ça veut dire les petits oiseaux sont lourds pour vous. Le moindre vent vous ride. Ça veut dire les petites choses vont faire mal et figurez-vous des grandes choses. Alors la suite, je vous défendrai de l'orage. Ici défendrai, protéger. D'accord? Mais vous n'essayez le plus souvent. N'essayez ici, ça veut dire pour pousser, germer. Sur les humides bords du royaume du vent. Ça veut dire quoi le royaume du vent? Ça veut dire les marécages où il n'y a pas des arbres. D'accord? Ça veut dire les places, c'est quoi déjà? Le chêne accuse le roseau de naître dans des places où il n'y a pas les arbres et c'est pour cela il n'a pas de protection. La nature, voilà, envers vous semble bien injuste. Il vous traite mal, il n'est pas correct envers vous, il n'est pas honnête, il ne vous aime pas. Votre compassion, ici c'est la parole du changement de la personne, c'est le roseau qui va parler. Votre compassion, votre pitié, votre sympathie, lui répondait l'arbuste. L'arbuste ici c'est le petit arbre, mais le roseau n'est pas un arbre, d'accord? On va expliquer ça après. Part d'un bon naturel, ça veut dire vous avez raison. C'est comme ça que je suis. La plus petite chose me plie, le petit vent me plie aussi. Mais regardez, qu'était-ce ceci? Cette inquiétude. Ne soyez pas inquiétés pour moi. Pourquoi? Alors, les vents me sont moins qu'à vos redoutables. Ça veut dire ils ne me font pas peur. Ils ne me dérangent pas. Je plie. Je plie. Ça veut dire il devient flexible, il se plie, mais je romps pas. Il est ici le sens de mais je romps pas. Ça veut dire je ne casse. Le vent va plier comme on a vu dans la vidéo. Il y a le roseau va se plier jusqu'à ce qu'il touche la terre, mais il ne se casse pas. Vous avez vous avez jusqu'ici contre leur coup, ça veut dire leur force épouvantable qui est très dure, résister. Ça veut dire se porter, tenir la tête, se tenir bon. Sans s'incliner, l'autre dos ici, ça veut dire le tronc de l'arbre. Mais attendons la fin. Regardez bien ici, mais attendons la fin.
Voilà, c'est la fin du dialogue. Et c'est le récit. Comme il disait ces mots, ça veut dire le roseau, début, ça veut dire la fin. La fin de l'extrémité. De quoi? De l'horizon. L'horizon, c'est le point de rencontre, le point qu'on voit si on part à glou. Si tu regardes au fond de la mer, d'accord, la fin de la mer, il semble que on a le ciel se rencontre avec la mer, d'accord, c'est ce point, c'est-à-dire le fond, très très loin. À court, c'est-à-dire venir avec course et en colère, furie, fureur, fureur. Que le nord, alors ici le nord, on a dit c'est Aquilon, d'accord, que le nord est porté jusque-là dans ses flancs, il porte lui-même, il porte avec lui. L'arbre tient bon, ça veut dire le chêne, le roseau plie. L'arbre ne bouge pas. Le roseau, qu'est-ce qu'il va faire? Il suit le mouvement du vent. Il est souple et flexible. Le vent redouble ses efforts. En fait, c'est bien. C'est bien, ici c'est la conséquence, le subordonnant de la conséquence. C'est bien qu'il déracine. C'est-à-dire, alors, l'arbre se tient, mais il s'est déraciné. Ça veut dire, ses racines sortent de la terre. Il s'est arraché, il s'est enlevé. Celui qui a la tête au ciel, l'accent est effacé ici, la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. C'est de quoi l'empire des morts? L'empire des morts, tout simplement, l'empire des morts, parce que lorsque quelqu'un est mort, qu'est-ce qu'on fait? On le met sous la terre, on l'enterre. D'accord? On enterre les personnes qui sont mortes. On enterre les personnes qui sont mortes. On les enterre sur la terre. D'accord? On les enterre. D'accord? Alors, c'est l'arbre aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il a les racines. Ces racines entrent quoi? Sous la terre. C'est comme s'ils font partie de l'empire des morts. Ça veut dire à la place des morts. Les racines sont à la place, on met les morts. D'accord? Alors voilà. Voilà ici, cette fable. Cette fable bizarre de La Fontaine. J'ai oublié une remarque aussi que j'ai pas mentionnée. C'est que cette fable n'a pas de morale. Sa morale n'est pas explicite. Ça veut dire qu'il n'était pas écrit parmi ses vers. D'accord? Il n'était pas écrit. Il est comment? Il est implicite. C'est au lecteur de la déduire, de la trouver, de la chercher, de la comprendre à partir des sens. Alors, on va commencer, s'il vous plaît, maintenant l'explication. Alors, je vais commencer par la forme. Ici, on a dit que ce qui est déjà, le chêne parle. Regardez la parole du chêne. Je compte les vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Combien de vers? En combien de vers le chêne parle-t-il? Il en parle en 16 vers. 16 vers comportent ou bien présentent la parole et le dialogue du chêne. Et pour le roseau, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Même pas 7, on peut dire 6 et demi, parce qu'il n'est pas terminé. Alors 16 par rapport à 6. D'accord? 16 vers pour le chêne et on peut dire 7 vers pour le roseau. Il y a une grande différence. Une grande différence. Bien, regardez bien la plupart des vers qu'utilise le chêne sont lents. Il y a le mélange. Il mélange, il alterne les vers lents et les vers courts. Mais lorsqu'il parle de lui, d'accord, il parle sur de cependant comme mon front au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, il utilise souvent des vers qui sont longs, longs. De toute façon, de syllabes, et ça veut dire l'alexandre, des alexandrins. Bien, alors on va, voilà, ça c'est, et pourtant, d'un autre côté, pardon, le roseau, lui, utilise du court vers. Voilà. Lui répondait-il, les vents sont morts de table contre leur couille épouvantable, ainsi de suite. Bien, ils utilisent le roseau a utilisé
les octos, c'est là, c'est là. Oui, oui, ça veut dire l'hiver, ah oui, c'est là, c'est là. Le chêne, un jour, dit au roseau. Le chêne qui commence, c'est toujours dans les fables, ici, c'est pas la peine de répéter la même chose, nous avons toujours un et deux. D'accord? Est-ce que vous voyez le titre? Voilà, nous avons un et deux. Et toujours, au niveau de la position, l'ordre des personnages de la fontaine et de la fable en général, on trouve que on commence toujours par celui qui est fort, un et deux. Celui par quoi on commence? La force, d'accord? Présente la force. Mais le deuxième, la faiblesse, le renard, la cigogne, le loup, le lion, le rat. Voilà ce qu'on a étudié. Bien. Mais vers la fin, il y a là l'inverse, on renverse les rôles, on renverse la situation, le statut social, tout se renverse. On va voir. Alors on a dit que la fable met en scène des personnages, surtout des animaux. Ici on a affaire à des végétaux, ça veut dire des plantes, qui présentent le caractère de certains humains. En général, le fabuliste humanise les animaux pour parler des êtres humains. Le chêne est un arbre, un jour dit au roseau. Quel jour? Ne sait pas. Il n'est pas déterminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un jour précis. Cette fable concerne seulement un jour précis. Non, il est convenable à tous les jours, à toutes les époques, comme notre époque maintenant, là où je veux pas, où je veux parler. Le chêne, un jour, parmi les jours de l'année et des époques, etc. Dit au roseau, vous avez, s'il y a le respect, mais le respect, le vaut de la politesse qui exprime de la moquerie, de l'ironie, c'est-à-dire il s'en moque, vous avez bien sujet, vous avez bien de bonnes raisons, sujet ici, vous avez de bonnes raisons de culpabiliser, d'accuser, culpabiliser, ça veut dire de rendre coupable, d'accuser la nature, elle majuscule, la grande nature, ça veut dire là, il y a un problème, c'est-à-dire comme si la nature a fait un problème au roseau. Et le roseau l'accuse. Ça veut dire quoi accuser? C'est quelqu'un, par exemple, qui a perdu un stylo dans la classe. Et voilà, tu accuses. Tu vas dire, c'est toi qui me l'as volé. Qu'est-ce que tu as fait dans ce cas-là? Tu l'accuses des vols. Ça veut dire que tu as trouvé le soupçon. D'accord? Le suspect. Tu as trouvé le suspect, pardon. Celui qui est soupçonné. D'accord? Le suspect. Celui qui est coupable. Vous avez bien le sujet d'accuser la nature. Un roitelé. Un roitelé, c'est un petit oiseau qu'on a étudié. Alors, roitelé ici, nous avons ici le je change de couleur. Nous avons le suffixe des diminutifs. Le suffixe diminutif. D'accord? Suffixe diminutif. Comme par exemple, jardinier. C'est quoi? Un jardinier, c'est un petit jardin. C'est quoi? Un roitelé, c'est un petit. Donc, vous voyez bien ici. Il y a l'air majuscule. Alors, pour vous est un pesant fardeau. Un tout petit oiseau est pour vous, oh là là, est insupportable. Difficile à le porter. Difficile, ça veut dire ici, pour montrer quoi? Que le roseau est chétif, est faible, est grêle. D'accord? Est frêle. D'accord? Il ne peut pas supporter la moindre charge. Alors, et pour vous, un pesant fardeau. Ici, il se moque de lui. Il ne peut pas. Comme s'il lui dit, regarde comment tu es un oiseau. Un oiseau, ce petit oiseau-là t'a fait courber. C'est quoi ça? Tu es maigre, tu es faible. C'est pour cela que tu accuses la nature. Qui t'a fait comme ça? C'est la nature. Tu ne peux pas. Comment tu es là? Tu ne peux pas résister. Le moindre vent, le petit vent qu'on sent par exemple le petit vent, la fraîcheur, qui consiste la fraîcheur, ou bien dans l'inuité de l'été, l'inuité de l'été, il y a un petit vent qui souffle. Il est frais, il attire, on l'adore, c'est la fraîcheur. Ce petit vent-là fait mal à qui? Il fait mal au roseau, pardon. Le moindre vent qui vient par hasard. Il ne l'a pas vu, parce que l'orage, on sent qu'il y aura l'orage. On voit le climat se change, on voit le nuage qui arrive. Alors on sent qu'il y a l'orage qui arrive, on se prépare.
Mais dans ce genre de petits fonds, non. Ils arrivent par hasard, par hasard. Et le roseau n'est pas prêt, ne s'est pas préparé. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Le moindre vent, le petit vent qui arrive par hasard, faire aider la face de l'eau. C'est-à-dire, on voit des petits plis, comme j'ai dit alors, sur l'eau. Vos obliges, ici il y a, elle est forcée. Vos forces à se courber. Il vous force à quoi? À se courber. Ça veut dire que c'est un malheur pour l'oiseau. Les petites choses que les grands ne ressentent pas. Lui, non. Lui, ça mal. Et la mal, lorsqu'il y a des petites choses. Et figurez-vous, s'il y a les grandes choses, par des ici, la tempête, l'orage, d'accord? Les grands, l'averse, d'accord? Comment il va vivre ce pauvre roseau, cette pauvre plante? Bien, alors, vous oblige à se baisser, à s'incliner. Alors là, c'est mal. Cependant, maintenant, regardez, c'est bien. Il parle du petit dé de roseau. Voilà, les vers sont petits. Pour montrer sa faiblesse, le ver est court, l'oiseau est court, et court au niveau de la forme. La force. Cependant, c'est l'opposé, l'opposition. Le contraire. Ici, il va présenter sa forme. Il va présenter sa face. Il va présenter sa position, sa personnalité. Cependant, que mon, ici, le mon front, il ne parle pas de son tronc. Mon front, le haut. Qu'est-ce qu'il mentionne ici? L'orgueil. Son orgueil, sa fierté, sa langueur. D'accord? Alors, que mon front, au Caucase, pareil, et c'est de la comparaison, le Caucase, c'est-à-dire les hautes montagnes, il parle de l'altitude, l'arbre ici se compare à la montagne, donc quoi, qu'est-ce que la ressemblance, c'est la force, la dureté, d'accord, parce que c'est la montagne, c'est la pierre, l'arbre, c'est le bois, alors pour montrer que son bois est fort, et rigide comme la pierre, la force. Au Caucase, alors ici nous avons la longueur et nous avons la force. Non content, ça c'est l'orgueil. Oh, je ne suis pas content d'arrêter les rayons du soleil pour faire l'ombre aux personnes qui arrivent pique-niquer ou bien aux insectes, aux animaux. Non, je ne suis pas fait pour arrêter les rayons du soleil. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le chêne attaque le soleil, ce qu'on parle. C'est-à-dire qu'il apprend le soleil. Il est haut comme le soleil, il est loin de le ciel, si vous voulez. Non content d'arrêter les rayons du soleil. Il est brave. J'affronte l'effort de la tempête. Ça veut dire quoi? Je lutte contre la tempête. J'arrête la tempête. Ma force, ma grandeur, mon épaisseur, ma largeur, voilà, ainsi de suite. Arrête l'effort de la tempête. Ça veut dire que si la tempête arrive, c'est moi qui l'arrête. Contre quoi? Pour, ici, défendre. Mais il n'est pas mal utilisé ici. Pour vous protéger. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il lui dit ici, tout simplement? Si tu es encore en vie chez Roseau, c'est grâce à moi, le chêne. Est-ce que c'est clair? Alors, et vous, regardez bien, c'est toujours le chêne qui parle. Qui domine ici? C'est le chêne qui domine. Il n'a pas laissé le temps pour le roseau pour parler. Pour montrer aussi cette façon que j'ai dit tout à l'heure, pour montrer celui qui domine. C'est lui le roi dans cette nature. C'est lui qui protège le roseau. C'est grâce à lui que le roseau est en vie. Alors, brave l'effort de la tempête. Tout, voilà. Tout vous est accueillant. Ça veut dire tous les vents qui poussent. Le vent, les petits vents, les vents doux, les vents frais, les vents forts, les vents violents, les vents dévasteurs. Tous ces vents-là sont comment? Ça veut dire tous les vents pour le roseau sont accueillants. C'est quoi accueillant? C'est un vent violent qui vient du nord. Du nord. Ça veut dire pour le roseau, tous les vents sont violents. Ça veut dire que pour l'oiseau, il n'y a pas la douceur. Pour l'oiseau, il n'y a pas la,
la détente. Il n'est pas à l'aise dans la forêt, dans la nature. Il n'est pas à l'aise. Il a mal lorsqu'il y a le petit vent. Il souffre, il a mal aussi lorsqu'il y a le vent violent. Et tous les autres vents sont le zéphyr pour le chêne. Le zéphyr, c'est un vent doux, très doux, qui vient de l'ouest, qui vient de l'ouest. Alors, qu'est-ce qui est doux pour le chêne? C'est l'orage, c'est l'aquilon qui est violent, qui fait souffrir les insectes et les petits oiseaux, etc. Et le roseau et les petites plantes. Il est comment? Il est doux. Ça, c'est l'antithèse, le paralysme. D'accord? Ici, nous avons des expressions opposées. Et il est doux. L'aquilon est doux pour le chêne. Encore, si vous naissiez à l'abri du feuillage, regardez bien. Si vous naissiez à l'abri du feuillage, ça veut dire si le roseau naît, pousse, ça veut dire quoi naissez ici? Ça veut dire pousse. Si vous naissiez à l'abri du feuillage, parce qu'ici je vois, je vous la laisse. Ici nous avons la condition. Si vous naissiez plus l'imparfait, c'est la réponse, c'est quoi? Le conditionnel. Ça veut dire quelque chose qui est impossible. Ça veut dire le chêne culpabilise sur le roseau. C'est un problème. On va voir pourquoi. Si vous naissiez à l'abri, c'est quoi l'abri? Sous la protection, c'est-à-dire à côté des arbres, de longs arbres, comme moi, le chêne, dont je couvre le voisinage. Ça veut dire, moi, voilà le chêne, elle couvre tout le voisinage, c'est-à-dire elle protège toutes les plantes, les petites plantes, les plantes faibles comme le roseau qui se trouve à côté de lui. Donc, je couvre le voisinage, vous n'aurez pas tant à souffrir. Vous n'aurez ici, là, la réponse. Ça veut dire ici qu'il ne va pas vivre une vie de misère, de souffrance. Et pourquoi? Ici l'explication. Voilà l'explication ici. Pourquoi? La cause. Parce que je vous défendrai de l'orage. Si tu es né à côté de moi, derrière moi, je te défends de l'orage. Tu ne vas pas souffrir. Voilà le résumé, le mot qui résume la vie du roseau selon le point de vue du chêne. C'est une vie de souffrance. Le roseau, selon le chêne, a besoin de quoi? De la protection des grands arbres. Le chêne trouve le roseau faible, il le méprise, il ne doit pas y pousser, il ne doit pas être là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu souffres tout le temps. Mais le problème, nous avons une autre opposition. Mais le problème chez roseau, tu pousses le plus souvent sur les humides, déjà il y a ici humide. Parce que le roseau aime les bords de l'eau. Le roseau, il pousse rapidement, il se profile rapidement. Il pousse même à l'intérieur de l'eau. C'est ce qu'on appelle un roselier. Les humides bords du royaume des vents. Ça veut dire, toi, tu es humide, être toujours. Ça veut dire, tu es bête, tu es sot. Au lieu de pousser près de l'arbre qui va te protéger, toi tu pousses devant le vent, tu te mets devant, c'est toi qui, voilà, et c'est pour cela que tu meurs, tu te casses, selon le chêne toujours. La nature, il résume, il a parlé longtemps, il va dire, la nature envers vous me semble injuste. C'est-à-dire, est-ce que le chêne souffre, s'inquiète pour le roseau? Est-ce que le chêne a mal de voir le roseau souffrir? Est-ce que le chêne a pitié du roseau? Non, mais il se moque. Il se moque lorsqu'il est d'ici, vers là, je brave l'effort de la terre. Moi, je suis fort, je brave. D'accord? Il n'a pas pitié de lui, mais il se moque de lui. Il se moque. Mais le roseau n'a pas parlé. Il écoute. Lorsqu'il écoute, c'est-à-dire il respecte les règles de la parole, du dialogue.
Parce que si quelqu'un parle, il faut écouter jusqu'à ce qu'il termine sa parole. Puis, répondre et reprendre et dire ce qu'il va dire. Et faire des commentaires et répliquer. D'accord? Alors, il l'a laissé jusqu'à ce qu'il a fini. Et regardez bien comment le roseau a parlé. Votre compassion, ça veut dire, voilà, vous êtes pitoyable. Lui répondit l'arbuste, par d'un bon naturel. Ça veut dire, vous avez raison. Mais ce n'est pas vous qui avez découvert ça. Mais c'est mon naturel. C'est quoi mon naturel? Chacun ce naturel. Chaque animal, les êtres humains, les plantes ont leur naturel. Je parle de la nourriture, par exemple, le chien mange la viande, c'est le naturel du chien. Est-ce que c'est qu'il aime? Chacun a son naturel. Et le naturel du roseau, c'est quoi? De pousser, de les explications qu'a donné le chien, il pousse dans les marécages ici, il est faible, il se plie, il bouge tout le temps, ça c'est le naturel du roseau. Mais, et notre position, parce que c'est l'argumentation, il y a des arguments, mais quitter ceci, quitter ici c'est quoi? Oubliez ceci, ne soyez pas inquiet pour moi. Ne vous inquiétez pas pour moi. Point. Les vents, lui, il a parlé seulement de deux vents. Mais le roseau, lui, il parle de quatre, parce qu'il y a le vent de l'ouest, le vent de l'est, le vent... D'accord? Le notos, le boros, comme on a étudié, le zéphyr, l'aquilon. Alors, les vents me sont moins qu'à vous, redoutables. La comparaison. Tous les vents du monde. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne redoute pas les vents. Tu vois, tu parles seulement, tu as parlé de deux vents. Moi, je ne redoute pas les vents. Et si le chêne analyse beaucoup, détaille beaucoup, alors il est comment? Il est bavard. Le roseau, il est scientifique. Il est sage. Il fonde ses arguments sur la sagesse, la raison. Et si je peux dire, c'est la persuasion. Persuader. Parce qu'il utilise les sentiments, son cœur, la force. Mais si regardez bien, naturel. Je rends l'explication scientifique. Je plie. D'accord, le livre. Je plie. Et ne rompt pas. Je plie ici. Je plie et ne rompt pas. Je plie et ne rompt pas. Voilà la chose que le chien n'a pas compris. Lorsqu'il voit le roseau bouge de temps en temps, il croit que le roseau souffre. Qu'est-ce qu'il lui a dit au roseau? Oui, tu as raison. Je plie. Mais ce que tu ne sais pas, monsieur chien, je ne casse pas. Le vent ne me casse pas. Qu'est-ce qu'il me fait seulement? Il me plie. Pourquoi? Parce que c'est moi naturel. Point. C'est fini. De courtes phrases. Vous avez jusqu'ici. Maintenant, il va parler du chêne. Vous avez jusqu'ici. Ça veut dire jusqu'à maintenant, à l'heure de notre discussion. Contre leur coup épouvantable, pour la force du vent qui est épouvantable, résister, tu as bien tenu, tu as supporté, tu n'as pas de mal, sans courber le dos, mais tu es comme ça, tu n'as pas bougé, tu n'as pas courbé le dos, mais attendons la fin. Cette phrase est méchante. Attends la fin. C'est une quoi? Cette phrase représente quoi? C'est une menace. C'est une menace. C'est une fatale. Il représente une action fatale. C'est la fatalité. Il va annoncer un drame, un accident, un meurtre, du sang. Attendons la fin. Attends la fin. Tu vas voir. C'est la fatalité, la menace.
Et c'est fini. C'est sur là, sur le dialogue des... Qui parle peu. Non. Regardez bien, je reviens revenir. Ici, nous avons la longueur de la parole. Ça veut dire que c'est une tirade. Il parle longtemps, papa, papa, papa. Il bavarde, c'est pas il parle. Il jacasse comme une pie. Papa, papa, papi, papa, papa. Et voilà. Il veut se vanter, se montrer. Il est comme un coq, qu'un coq. Il veut tordre, créer des fils à retordre pour le roseau. Lui crée des problèmes. Lui, il est comment? Il se montre quelqu'un qui soulève les montagnes. D'accord? Mais regardez bien qu'est-ce qui se passe. C'est fini. Deux choses. Ça, c'est mon naturel. Tu ne sais pas une chose. Je plie, je ne me casse. Toi, tu as résisté, mais attends la fin. Tu as résisté, mais tu n'as pas plié. Mais attends la fin. C'est fini. C'est celui qui parle peu. Il parle de la sagesse, c'est la parole du scientifique, la parole du savant, d'un intellectuel, d'une personne lettrée, qui a peu de choses. Il dit, il résume, on a peu de choses. Parce que tout ça va pas, le chef peut le résumer en un seul, en quelques mots. Mais pourquoi il ne l'a pas résumé, si vous voulez? Pourquoi? Ici, parce que ça, c'est, je peux considérer une répétition. Roiteler le moindre vent, c'est la répétition, c'est le même argument. Mais parce que ça s'émane de l'orgueil, d'un cœur orgueilleux, pour s'en moquer, ironiser l'image, la réputation du roseau en cause. Mais le roseau, lui, il ne lui a rien dit. Il a parlé scientifiquement, c'est sa conviction, il l'a convaincu. Naturel, ça c'est mon naturel, Monsieur Chen. Je plie, je ne romps pas. C'est ça le naturel du roseau. Tu vois, tu as résisté, mais tu n'as pas plié. On va attendre la fin. La fin de quoi? La fin du vent. On va attendre la fin du vent. Comme il disait ces mots, voilà. C'est là, c'est le drame, le suspense. On arrête la parole, le récit commence. C'est comme dans un film. Tu n'entends que des bruits, des pas, ça fait peur. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon. C'est quoi le bout? Le point le plus loin. Qu'est-ce qu'il y a? Souffle, très fort, avec fureur. Le plus, le superlatif, jamais vu. Le plus quoi? Horrible, terrible, des enfants. Ça, c'est la périphrase, dire le vent tout simplement. Que le Nord n'a jamais donné, n'a jamais envoyé, que le nom est porté. Et c'est là, l'accord, parce que le sur déplacé avant, jusque-là dans ses flancs, ça tire avec lui-même. Il a toujours des vents violents, mais ce vent-là de ce jour, il est très violent, il est plus violent, il est pire. L'arbre tient bon, alors l'arbre ici, il brave, comme d'habitude, il tient bon. Voilà, il tient bon. Rien ne bouge que les petites branches et les feuilles. Le roseau plie, il plie d'un côté et d'un autre et de l'autre. Bien, il reste plié. En fait, c'est bien qu'il, plie. Le vent redouble ses efforts. En fait, c'est bien qu'il déracine. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la conséquence. En fait, c'est bien qu'elle déracine. C'est quoi déracine? Elle enlève l'arbre. Elle arrache l'arbre de la terre. Elle déterre là. Elle déracine celui qui est celui-ci. Regardez bien, ça c'est le mépris. D'accord? Il n'y a plus l'arbre, il n'y a plus le chêne, il n'y a plus celui en Caucase est pareil. Et c'est quoi? Celui. Parce que on veut mépriser quelqu'un, on veut dire, voilà, celui-là, oui, cet individu, cet être humain, cette créature, on dit des choses bizarres de lui.
On le présente par on le reprend, c'est la reprise nominale, par des choses, comme j'ai dit, cette créature, cet être humain, cet élève, c'est bien, dans la classe, on dit, qui t'a fait ça? Pourquoi tu boudes? C'est celui qui t'a assis avec. On ne dit pas, pourquoi tu ne le dis pas directement? Parce que là, c'est fini, là, si tu le méprises, celui qui a la tête, regardez bien, celui qui a la cime, qui voit comment, parce qu'il a dit, elle part, elle a dit quoi? Dans la tête, mon front. Il parle seulement de sa cime. Celui qui a le front, la tête, c'est-à-dire la cime, le haut de l'arbre, aussi elle était voisine, il veut s'approcher du ciel. Il ne se contente pas seulement de la terre, mais il veut y aller vers le ciel, parce qu'il a dit, au Caucase, je suis pareil, et voilà, il a mentionné le soleil, c'est-à-dire il est le voisin du soleil. Qu'est-ce qu'elle fait? Et dans les pieds touchés à l'empire des morts. Mais si nous avons la réponse ici, là, elle déracine celui qui a la tête très haute et qui a les racines dans enfoncées dans la terre. Alors voilà la fin. Le thème ici, c'est l'orgueil. Ils s'en moquent. Ils se moquent. Le chêne se moque du roseau. Mais qu'est-ce qui t'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Le chêne meurt. Il est mort. Il est déraciné. C'est fini. Les gens vont venir le couper. On va couper, on va utiliser son bois pour pour le chauffage, pour se chauffer, pour allumer pour la nourriture, pour construire les charpentes des maisons, ainsi de suite. Si je parle de l'arbre, d'accord? Lorsque l'orage de la tempête est finie, alors le roseau va revenir à son état initial, va se tenir debout. Mais il n'y a pas de chêne. Alors là, le roseau nous montre une leçon ici. Il ne faut jamais se moquer des gens. Celui qui te connaît, si tu te moques des faibles, le faible, c'est toujours la même fin, morale qui se répète. Il ne se moque pas des gens. Il ne faut pas se moquer, comme j'ai dit l'autre jour, il ne faut pas se montrer méchant envers les faibles. Chacun a ses compétences, chacun est doué dans un domaine, ainsi de suite. Alors voilà, la fable, il se termine par là. Regardez bien le mot mort, il y a la mort. C'est un registre tragique, c'est il y a le drame, il y a la mort, c'est pire. La mort ici peut être la prison, c'est-à-dire la fin de tes jours, de ta vie, dans le sens figuré, il peut être emprisonné, il peut être exilé, il peut être mourir, d'accord? Alors, il peut être mort, pardon. Alors voilà, c'est ça la conséquence fatale de cette femme qui est très choquante, cette femme de la fontaine. Alors voilà, toujours il y a des vers longs, des vers courts pour rendre la fable dynamique. Mais s'il y a le dialogue pour attirer l'attention, pour rendre le texte vivant, d'accord, le dialogue qui englobe toute la fable. Alors, quels sont les personnages? Je vais poser quelques questions. Quels sont les personnages de cette fable? Nous avons trois personnages, le chêne, le roseau et le vent. Quels sont les personnages qui parlent? Nous avons le roseau, le chêne et le roseau. D'accord? Mais alors, se passe l'histoire. Ici, l'histoire de la forêt. Mais l'histoire réelle, c'est la vie, c'est la ville. Le chêne ici, on dit que c'est Fouquet, c'est le directeur des finances, qui protège à cette époque-là la fontaine. Le roseau, c'est la fontaine, et le vent, c'est le roi Louis XIV. Le roi a emprisonné Fouquet, c'est-à-dire qui est présenté ici par le chêne. Alors, voilà, j'ai dit, c'est le chêne et le roseau. Comment le chêne traitait le roseau? Il le traite méchamment. Comment? Il se moque de lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit,
Voilà, que le, ah, vois-tu le mois de revente te fait rider. Comment le chêne voit-il le roseau de là? Il le voit un être souffrant, il souffre tout le temps. Comment le chêne se comporte-t-il? Il se comporte avec orgueil. Avec orgueil, il se croit le plus fort, c'est lui qui protège tout. Et, ça veut dire, lui, il ne souffre pas, rien ne, aucun mal ne peut lui arriver. Mais le roseau lui a dit, non, ne dis pas. Qu'est-ce qu'il lui a annoncé? Ne dis pas comme ça, ne te comporte pas orgueilleux, ne sois pas méchant. Chacun a sa force. Et voilà, et c'est quoi la force du roseau ici? C'est se plier. C'est quoi la force, dira dans le texte, le lion et le roi? C'est les petites dents. Alors chacun a sa force. Moi, je plie, et alors j'attends que la tempête passe. Lorsque la tempête passe, je relève la tête. Et le roi, tu les viens, je fais des va-et-vient, parce que c'est mon naturel. C'est la chose qu'on ne comprend pas dans certaines personnes. Chacun a son naturel, chacun a ses compétences, chacun a sa façon de parler, chacun a sa façon de réagir. Il y a des personnes qui parlent à voix basse. Ils sont malades. Non, c'est comme ça. Parce qu'il leur manque de confiance. Il faut les aider. C'est pas, il ne faut pas se moquer d'eux. Il faut les aider. Il faut les orienter. Il faut les soutenir. Il faut les épauler. D'accord, il faut être à côté d'eux. Il faut les encourager. Il faut les aider à avoir la confiance. Et si quelqu'un est faible dans un domaine, c'est normal. C'est comme ça. Nous ne sommes pas tous égaux. Nous n'avons pas les mêmes compétences. Chacun est meilleur en maths, l'autre est meilleur en arabe, celui-là est meilleur en sport, au basketball. Chacun a ses loisirs, chacun a sa façon de vivre. Comme j'ai dit l'autre jour, il y a ceux qui utilisent les mains comme les travaux manuels, ceux qui utilisent juste les pieds comme les athlètes et les joueurs. Chacun a ça. À sa façon de mener sa vie, ses compétences. Il y a des personnes qui n'ont pas passé par l'école, ils sont de meilleurs joueurs. Il y a des personnes qui ne savent rien, mais ils ont quitté l'école depuis les primaires, mais ils ont utilisé des travaux manuels. L'État maintenant les aide, intervient pour aider, avoir des projets, ainsi de suite. C'est-à-dire là, et chacun a son âme naturelle. Chacun comme il est, sa façon de naître. On n'est pas tous égaux au niveau de la forme, au niveau de la couleur, au niveau de la langue, au niveau de compétences. Alors, ce qui compte, il ne faut pas seulement se moquer, mais il faut s'entraider pour être fort, pour ne pas tomber dans ce piège dans lequel est tombé le chêne. Alors voilà, s'il vous plaît, là, ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de bien voir la vidéo, de m'encourager pour mieux travailler bien. Merci beaucoup. Alors voilà, bonne journée.